Dans Les Grosses Têtes, Karine Le Marchand a évoqué l'émouvante proposition qu'elle avait faite à l'un des agriculteurs de la nouvelle saison de L'Amour est dans le pré. Si Yesti dans l'œil donne de l'émission. En plus des célibataires ne parvenant pas à trouver l'amour à cause de leur planning professionnel très chargé et du peu de temps libre qu'ils ont en tant qu'agriculteurs, un certain nombre de participants à l'amour et dans le pré ont eu leur lot de drames et de mauvaises expériences amoureuses. Des violences conjugales au deuil d'un ex-compagnon de vie en passant par des séparations difficiles, les personnalités écorchées vives ne sont pas rares et il est fréquent que les téléspectateurs se prennent d'affection pour elles. La nouvelle saison du programme de télé-réalité ne devrait pas faire exception à la règle, alors que M6 a lancé sa nouvelle salve de candidats avec la diffusion des premiers portraits ce 30 janvier. Patrice, handicapée moteur et éternelle célibataire à 39 ans, présentatrice phare de l'émission depuis 13 ans, Karine Le Marchand tisse souvent des liens privilégiés avec les agriculteurs qu'elle rencontre et accompagne. Elle reste même en contact avec eux longtemps après leur aventure, les accompagne dans leur nouvelle vie amoureuse et devient leur amie. À en croire le portrait que les téléspectateurs découvriront ce lundi 6 février, sa relation avec l'un des agriculteurs de la 18e saison semble prendre la même voie. Éleveur de vaches allaitantes en Normandie, Patrice est l'un de ceux qui n'ont pas eu de chance en amour. Handicapé moteur à cause d'une malformation à la main et d'une jambe plus courte que l'autre, à 39 ans, il n'a toujours pas connu de relation avec une femme. J'étais la première de sa vie. Après cette confidence à l'animatrice, l'agriculteur a eu le droit à une touchante proposition de sa part, être la première femme qui le serrerait dans les bras. Un moment émouvant sur les coulisses duquel Karine Le Marchand est revenue lors de sa participation aux Grosses Têtes de lundi dernier. Il est super. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui n'ont jamais été pris dans les bras de leur vie. Donc du coup je lui ai dit tu veux commencer? Et il m'a dit oui. Et je l'ai pris dans mes bras, j'étais la première de sa vie. Un récit qui a forcément entraîné les moqueries de la bande des sociétaires de RTL, ironisant, et il est resté collé? Si Yesti gagne cette émission dites donc. Moi tu me prends dans les bras je reste collé. À lire aussi tu veux commencer avec moi? La proposition très touchante de Karine Le Marchand à Patrice dans L'Amour et dans le Pré 2023.